apprécié ta démonstration de l'interrogatoire. Tu demandes bien aux patients les antécédents personnels et familiaux en suivant l'ordre de la checklist. Mais j'ai noté un point que tu peux améliorer. Est-ce que tu peux répéter la question sur l'antécédent d'hospitalisation? Oui, j'utilise la question « Est-ce que vous avez déjà hospitalisé ?» Oui, il y a une erreur ici. Est-ce que tu peux l'identifier? Oui, la phrase correcte est « Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé ?» Oui, il faut utiliser la voix passive. Ici, tu as oublié le verbe « être ». Oui, et c'est la même chose pour ma phrase sur les antécédents du risque. Oui, mais il manque aussi une question importante dans ton interrogatoire. Est-ce que tu sais laquelle? Non. C'est une question sur les traitements. J'ai posé la question sur les traitements habituels. Ah oui, j'ai oublié de demander les allergies du patient. Oui, exactement. C'est important. Maintenant, on change les rôles. Je suis le docteur, tu es le patient et toi, tu nous donnes un feedback.